We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willy Wood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggling Tips. Ça peut bon, Willy Boy here. J'espère que vous allez tous bien et que, you know, vous êtes en train de passer un bon début d'année. Happy New Year à tout le monde de la part du, you know, de la part du podcast. Le podcast n'est pas vivant. Mais, you know, Happy New Year à tout le monde de la part de moi. You know, on est toujours en janvier, donc du coup, on peut se souhaiter Happy New Year. So it's fine though, people. Yeah, I love y'all so much. And what can I say? I went MIA. Je vais parler de ça. And back up people, because you and I in this pod we are going to kill it, because on doit parler de d'énormément de choses, you know, hein? Notamment le fait que j'ai disparu out of nowhere, I went MIA, right, et que on démarre une nouvelle année, faudra démarrer et changer plein de choses, hmm? So yeah, I'm coming. So people, la dernière fois que j'ai le dernier podcast que j'ai posté, le dernier épisode que j'ai posté, c'était en quoi? En novembre 2022, c'était le 30 novembre, et le titre c'était Adulthood and What They Don't Tell You. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est a part of what they don't tell you, c'est que c'est you have to be married, et toutes les choses que tu dois gérer, toutes les choses que, dont tu dois t'occuper when you have to be married. So yes, vous l'aurez deviné, I went MIA because, you know, en partie, you know, I had to get married. And yes, I'm married, people. You know, your boy, like, got married. And here we are now. J'ai pas changé, you know, en tant qu'individu. I'm still that amazing, good, dope, you know, crazy guy in the pod, you know, making y'all feel good. Et ça change pas. But, you know, on the other part... No, you know, rival. Alors, your dude got changed, you know. I got married to someone I love and everything. Ça, c'est une autre histoire. J'ai pas à vous dire tout le reste. But just know that, en fait, je me suis juste rappelé, en fait, quand j'étais adulthood and what they don't tell you, il y a plein de choses qui vous disent pas. Hein? Il y a plein de choses qui nous disent pas et qu'on doit apprendre de nous-mêmes. Et ça me rappelle un peu, en fait, ce que Michelle Obama, elle disait dans une émission où l'a invité, où elle disait un peu que... La partie la plus dure quand on est un parent, c'est de regarder ses enfants faire des erreurs, se casser la tête, se casser la gueule littéralement, et apprendre de ça. You know, en tant que parent, tu regardes ton enfant, tu sais que ton enfant va essayer ça, va se casser la gueule. Mais il y a un genre de, you know, comment on appelle ça? Des fois, il y a des leçons qu'on apprend avec les conseils, il y a d'autres leçons qu'on apprend avec l'expérience. So, des fois, you have to let your kid experience some things. Comme ça, ce sont des choses qui vont rester imprimées dans leur tête. Et ils vont pouvoir dire, et ils vont pouvoir se dire à eux-mêmes, oh, I learned this through experience. J'ai vraiment eu des expériences dans la vie. C'est comme Lafine, il disait, j'ai pas une belle plume, j'ai seulement un putain de vécu. C'est ton vécu, en fait. C'est vraiment ton vécu qui va te permettre de pouvoir mettre des mots sur certaines choses et pouvoir dire aux gens, oh, ok, this is how this works. Et d'avoir le knowledge. Je sais pas comment on dit knowledge en français déjà. je suis en train de chercher mes mots encore. Parce que je suis en train de très peu traduire dans cet épisode-là. Et en vrai, en fait, c'est d'avoir le knowledge. Oh, tu sais, general knowledge. Le knowledge, le savoir, voilà. You know, based on l'expérience que tu as eue. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très dur. En partie, ce qu'ils ne nous disent pas à propos de la vie d'adulte, c'est dû à ça. Là, je me rends compte que je suis en train de faire une antithèse de mon épisode passé, and I love that, parce que ça veut dire que, as a state of mind, this is so great, ça veut dire que j'apprends. Et le fait que, en fait, les parents... Oui, en dehors du fait que sometimes they just don't know it. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'instruire à propos de ça. Mais des fois, il faut juste que tu expériences certaines choses par toi-même. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment expériencer par nous-mêmes. Le fait de...
I love talking about relationship, parce que j'allais parler de relationship, parce que c'est quelque chose de très intrinsèque aux humains. Le fait de being in a relationship, le fait d'apprendre à connaître son partenaire, que son partenaire apprenne à te connaître, le fait de, comment on appelle ça, parenting aussi, ça, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre, mais il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre through experience. Créer une entreprise, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre through, you know, à travers ton expérience. You know, vivre tout court, apprendre à se connaître, because life is a journey. Et in that journey, il y a plein de choses que tes grands frères, des conseils que tes grands frères vont te donner. Oh, you know, quand tu parles à une femme, tu dois te comporter comme ceci. Quand tu changes d'école, tu dois faire cela. Quand tu es face à un professeur qui te cherche des noises, tu dois agir de cette manière-là. Il y a des conseils que ton papa peut te donner as a dad, parce qu'il est ton papa. Des conseils que ta maman peut te donner. But, il y a des choses que tu vas acquérir par toi-même, comment te comporter avec tes camarades, you know, how to react when you're getting bullied, quand tu es bullied à l'école ou quand tu es, you know, quand tu es harassed, des fois comment réagir, comment gérer ta personnalité, comment te fondre dans la masse ou bien comment te faire voir, parce que ça dépend des personnalités des gens. C'est plein de choses que tu dois apprendre tout seul ou toute seule. Comment vivre en communauté, comment apprendre à vivre tout seul ou toute seule, c'est plein de choses que tu dois apprendre, bah, tout seul. Et donc, du coup, bah, you know, avec le temps, tu te rends juste compte que, OK, sometimes, je dis bien, sometimes, not every time, experience is above, you know, advice. Je m'explique. Calmez-vous, you know, calm down. Là où tu es, sit and calm down. Sometimes really experience like is above advice. Parce que en fait, ce que tu apprends, ça me rappelle like Fun for Louis. Fun for Louis, c'est un YouTuber qui voyageait dans plusieurs pays. Il disait, j'apprends plus de mes erreurs que de mes victoires, entre guillemets. Parce que quelque chose que tu as appris à travers la douleur, something that you learn through pain, va rester quatre fois plus dans ta tête que quelque chose dont on t'a parlé ou un conseil qu'on t'a donné. Je sais pas, j'essaie de me rappeler d'un conseil qu'on m'avait donné dans la vie qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on m'a donné plein de conseils qui m'ont beaucoup aidé. Mais j'ai du mal à m'en souvenir là, du coup. Mais pour vous donner des trucs très simples, c'est advice, experience that I had, parce que moi j'ai repris deux ou trois fois, certaines de mes classes. Et je pense arriver au lycée, j'avais déjà repris une classe deux fois. Genre, mon CM2, je l'ai fait deux fois, ma troisième, je l'ai fait deux fois. Donc, du coup, arrivé au lycée, I was so good, j'étais très bon pour redoubler une classe, parce que pas en matière de mauvaises notes, mais pour reprendre un nouveau cycle. Je savais comment gérer une classe où il y avait des élèves and everything. J'avais acquis la maturité de l'école. J'avais très vite acquis la maturité de l'école, parce que I went through experience. J'ai déjà raté une classe et j'en avais déjà raté une autre. Bien sûr, 5 ans de différence, mais entre-temps, j'ai raté une classe deux fois. J'avais très vite appris à me comporter dans une classe. Je savais, en fait, distinguer les groupes d'élèves dans une classe. Je savais comment me comporter pour qu'un professeur m'aime ou éviter qu'un professeur me déteste. Je savais comment disparaître dans une classe et je savais comment me faire bien voir dans une classe. Right? Grâce à mon expérience, en fait, dans une classe. Ce qui faisait que j'avais pas peur après de changer d'école. J'ai dû changer d'école entre mon collège et mon lycée. J'ai changé 3 fois d'école. Ce qui faisait que j'étais aussi expert en changement d'école. Quand les gens me disaient, oh, you don't have to change school, parce que quand tu changes d'école, tout change. Je leur dis, mais moi, j'en ai rien à cirer. Parce que quand je change de classe, tout change. Quand je redouble une classe, tout change. Le renouveau ne me fait pas peur. Et grâce à l'expérience que j'ai eue, grâce à une ou deux classes que j'ai redoublées, bah, le renouveau ne me faisait pas peur, ne me faisait pas du tout peur. Et donc, du coup, quand j'ai changé d'école, and then I went into a brand new school, et que les réalités dans cette école n'ont rien à voir avec mon école de base, that was so great. I mean, I did it so well. C'est pas pour me jeter des fleurs, parce que moi-même, j'étais, au fond de moi, je parlais, mais j'avais peur, mais je suis parti, je l'ai géré tellement bien. I went the first, je suis parti franchement, pourquoi je me suis dit, Dieu, pourquoi mon lycée s'est terminé au moment où je savais comment gérer l'école? Et ça m'a trop saoulé. Because I went in a brand new school. Je suis vraiment allé dans une nouvelle école. En 2-2, je me suis fait des amis. C'est pas genre des amis de pacotille, mais des vrais amis. En 2-2, je me suis fait des alliés. En 2-2, j'ai su tirer mon épingle du jeu. Et,
et savoir m'en sortir dans la classe. J'étais pas intimidé, tout ça, tout ça. Après, c'est parce que je suis peut-être extraverti, ce qui facilite un peu les choses, you know. Mais en fait, j'ai su facilement tirer mon épingle du jeu. Après, quand je suis allé à l'université, c'était pareil parce que j'avais acquis un peu le, you know, l'expérience du lycée. Ok, je vous raconte toute ma vie, mais c'est pas ce dont vous avez envie de, you know, d'entendre parler. Mais juste pour vous dire, en fait, des fois, ce que l'expérience peut apporter est, you know, est incroyablement grandiose. Mais le problème dans tout ça, c'est que, je vais juste citer cette fois Full Metal Alchemist. Pour chaque chose reçue, il faut à un moment donné une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. People, il faut un échange équivalent. Pour pouvoir avoir une certaine forme d'expérience, il faut vraiment y laisser des plumes. Et y laisser des plumes, c'est, ça veut vraiment dire souffrir sur tout le long, faire des choses dont on n'a vraiment pas envie. Mais on se rend compte qu'on doit le faire parce qu'on doit être discipliné. Et avoir une discipline revient vraiment à faire plein de choses, encore une fois, dont on n'a pas envie, comme te réveiller ultra tôt, avoir une routine de vie, avoir une vie très clean ou quelque chose comme ça. You know, those things and plein d'autres choses, you know, it gives you experience. Et avoir de l'expérience, ce n'est pas juste, you know, going through things you don't like. Des fois, you go through things that you love, you know, dans ton cœur. Il y a plein de choses que j'ai aimées de toute mon âme, que j'ai dû vivre. Et grâce à ça, j'ai eu plein d'expériences et j'ai rencontré plein de personnes. And this is super important, right? Et en fait, j'ai plus fait cet épisode-là pour dire why I went MIA and je me suis juste rendu compte que, you know, adulthood and what they don't tell you, c'est un peu l'antithèse de ce que j'allais vous dire. Donc, du coup, ça, it took the time. Et ce qui fait que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire là actuellement. But basically, I went through a lot, and parmi ça, le fait que je me sois marié, et I thank God que cela se soit passé dans ma vie, and I'm really happy about that. Et ce que je vais vous dire, c'est que j'ai beaucoup eu le temps de réfléchir par rapport au podcast. Yeah, I'm not leaving the podcast. I'm not dropping the podcast. Before yani khalat ne damay baye podcast baye ma ding, my feeling, my ding. Voilà, I'm not leaving the pod. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir par rapport au pod. J'ai eu une invitation dans un autre podcast, like il y a several months. Bon, j'attends toujours qu'elle publie. Si tu m'entends, publie notre épisode, s'il te plaît. I need it. We need it. They need it. J'ai eu le temps d'enregistrer un épisode avec un ami qui a une vision de la vie à la fois similaire et divergente de la mienne. Voilà pourquoi j'adore lui parler. Je lui parle 15 minutes, autant je me dis « Ah William, tu as raison sur 50 points », autant je me remets en question 50 fois. Parce que c'est quelqu'un qui voit les choses de la même manière que moi, après qu'il ne les voit pas pareil que moi. Parce qu'il va dans des faubourgs, il va dans des questionnements sur lesquels moi je ne veux pas. Parce que, you know, he's great, he's amazing, he's that crazy dope guy you want to hang out with. You know, I love him so much. And what can I say? What can I say? Vous savez que chaque année en janvier, je coupe tout. Je me dis, OK, il y a une nouvelle saison qui va arriver. Cette fois-ci, je me suis dit, OK, on va traîner un peu jusqu'en mars, histoire de remplir un peu plus d'épisodes cette saison avant d'aller sur une saison, mais complètement folle, croyez-moi. Le podcast, il est déjà fou parce qu'il n'est pas conventionnel, mais je veux aller sur une saison totalement folle. Et sur une saison où je vais moins avoir peur, parce que j'ai beau dire, je suis très authentique dans le podcast, et je vais être honnête avec vous, je suis très authentique et très honnête dans le podcast avec vous, because c'est notre pod, c'est l'endroit où je me suis dit, tu sais quoi, William, no pressure on your shoulder. Franchement, aucune pression sur toi, tu pars. Tu prends ton micro, tu l'actives et tu enregistres et tu parles aux gens. Ce qui fait que, you know, j'avais du mal à inviter des gens dans mon podcast. C'est pas tout le monde qui pense comme moi. You guys, you're right. And du coup, en 2023, je me suis dit, William, you try. Et je vais juste implanter à nouveau la manière dont je vis dans le pod. Je me suis juste dit, William, you try something new. Tu essaies vraiment des choses folles.
Parce qu'il y a plein de choses que je voulais essayer dans le pod. J'avais pas le courage. J'avais pas le fit de le faire et j'avais pas l'énergie de le faire. Là, je me dis, you know what, William, it's gonna be 2023. Personne ne sait quand est-ce que tu vas mourir. Un, deux, personne ne sait quand est-ce que tu as plus envie de faire un podcast. Personne ne sait quand tu as plus envie ou plus avoir le temps de créer un contenu. Go. Go and do something. Fais quelque chose qui va vraiment avoir du sens pour toi, quelque chose qui va vraiment avoir du sens dans ta vie, quelque chose qui va vraiment impacter la vie des autres et littéralement changer la vie des autres. So, je me suis dit, you know, try. So, du coup, je vais essayer tout plein de choses cette année. Je ne vais pas vous faire de surprises. Pour faire très simple, hein, je vais me risquer aux invitations. Je pense que la seule invitation que j'avais postée, sachant que j'en avais enregistré d'autres, mais je ne me sentais pas assez confiant pour les poster. I'm going to be honest with you. Ce n'était pas par rapport aux gens que j'avais invités, c'était plus par rapport à moi. Et je me suis dit, you know, mon niveau de self-confidence n'était pas arrivé à ce niveau-là. Je me suis dit, ah, William, you don't post them, I don't filter. Et je vais me risquer à inviter des personnes dans le pod. Et parce qu'en fait, au début, je galérais. Je me disais, mais William, je ne sais pas comment inviter quelqu'un tout en gardant l'authenticité du podcast. Et maintenant, j'ai trouvé, grâce à Dieu, j'ai pu trouver comment inviter quelqu'un, parler avec la personne tout en gardant l'authenticité qu'on a dans le pod. Ce que vous savez, c'est que le fait que moi, je vous parle et qu'on s'écoute et qu'on échange, qu'on discute à travers le pod. Ça, je me suis dit, OK. Je garde ça pour la dernière partie du pod, donc sachez tous que maintenant, quand je vais avoir un invité, vous le saurez dans le titre. Et dans la première partie du pod, ça veut dire dans le thème principal du pod, il y aura vraiment un invité, il y aura vraiment l'invité qui va parler avec moi, on va parler de whatever we're gonna talk about. But, dans le code of the day, parce qu'on aura toujours un code of the day, il y aura moi. Et moi qui vais parler. Donc du coup, si c'est des gens qui n'ont pas envie de m'entendre avec un invité, foncez droit au code of the day, you know, and listen to the code of the day. And yeah, j'ai juste trouvé le juste milieu. Et moi, je me dis que dans la vie, en fait, le plus important, c'est ça. C'est trouver le juste milieu dans tout ce qu'on fait. Entre ton travail, ta vie, entre ta vie amoureuse et tes émotions, entre tes amis et toi-même, entre ton papa, ta maman, entre tes frères et sœurs. Il faut toujours trouver un juste milieu. Entre ton cœur et ton cerveau, il faut toujours trouver un juste milieu. You know, le yin et le yang, savoir balancer entre tout ça. And when you know how to do that and when you learn how to do that, tout ce que tu peux faire, c'est devenir a better version of yourself. Whatever you do, try, say, or think. J'adore l'enchaînement là. Whatever you do, try, say, or think. Tout ce que tu peux faire, essayer ou penser, c'est moins cool en français. Bastien. Essayer de trouver le juste milieu, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie. So, people, like, à chaque fois que je reste un moment sans enregistrer un pod, et ça arrive souvent, ça. Sans enregistrer un épisode, et ça arrive souvent. I feel good when I record new one. Et quand je reste longtemps sans enregistrer de pod, I feel bad when I don't. C'est pas comme si le pod c'était une sorte de journal intime, parce que je délivre pas toute ma vie, je me réveille pas pour vous dire, oh, aujourd'hui, j'ai vu ma crush, elle m'a regardé, j'ai eu mal à la tête. Non, I don't do that, right? But still, I talk to y'all. Et vous me parlez. Et ça me permet d'apprendre beaucoup ensuite, après. Parce que j'ai beau faire 50 ans de monologue dans le pod, quand les messages y viennent, bah, c'est des gens qui décident de partager avec moi ce qui s'est passé dans leur vie également. Et moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Parce que j'apprends de ces gens-là. J'apprends de leur vécu. Yeah, yo, j'apprends de leur expérience. This is the thing, right? I learn from their experience. You know, sometimes people, they share with me. And I'm like, God, this is crazy. Et le truc qui m'a le plus, j'ai dû en parler dans le pod ou dans un épisode, c'était pas par rapport au pod, c'était la vidéo de Brut. La vidéo que Brut a fait, que j'avais faite sur Brut Sénégal. C'était qu'après, guys, j'espère que ça vous dérange pas, que je dise ce qui s'était passé. Si ça vous dérange, je suis désolé, parce que I'm gonna say it. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est parce qu'après, beaucoup d'hommes m'ont envoyé des messages pour me dire ce qu'eux, ils ressentaient. Ce qu'eux, ils ont vécu et comment ça s'est passé dans leur vie. Et moi, ça m'a beaucoup plu.
Des femmes qui s'expriment et qui parlent de leurs émotions, je trouve que c'est magnifique et c'est incroyable. Mais des hommes qui s'expriment et qui parlent de leurs émotions, je trouve que c'est incroyablement, insanement great. Parce que de base, un homme ne souffre pas et ne parle pas de ses émotions. Et quand il y a eu des hommes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont parlé de eux, de leur vécu, de leur ressenti, des problèmes qu'ils ont eus et de la promenade qu'ils ont fait, entre guillemets, la descente aux enfers qu'ils ont eue, et certains qui sont toujours dedans mais qui arrivent à s'en sortir, ça m'a fait beaucoup plaisir. Pas plaisir parce que je suis devenu important, du coup, entre guillemets, mais plaisir parce que finalement, des hommes décident de s'exprimer. Et moi, quand des hommes décident de s'exprimer, ça me fait beaucoup plaisir. Parce qu'un homme qui s'exprime, ça fait moins d'hommes incompris. Et ça fait moins d'hommes qui vont faire vivre à une femme des choses qui n'existent des choses qui existent parce qu'ils ont eu un vécu difficile ou un vécu compliqué. Parce que plus un homme il s'exprime, plus un homme il parle, mieux il va sentir et mieux il va traiter sa femme et mieux il va traiter les gens avec qui sont autour de lui, pas juste sa femme, hein, d'autres hommes. Et ça me fait trop plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. And for me, it's a great thing. And what can I say? Pas grand chose, hein. Pas grand chose parce que j'en ai déjà beaucoup dit. Attendons-nous à de grandes choses dans ce pod. Encouragez-moi à poster davantage, ça c'est très important parce que j'ai envie de poster davantage. Après, je sais, la vie va me rattraper, je vais très vite rater un mercredi ou quelque chose comme ça, mais soyez juste indulgents avec moi. Rendez-vous juste compte que when life comes, sometimes j'ai du mal à poster et j'aime pas le fait de pas être régulier, parce que moi quand quelqu'un n'est pas régulier dans son posting, ça me saoule, même si je comprends souvent, mais ça me saoule. Thank you for being aussi indulgent avec moi, en tout cas. Thank you, people. So, people, un plaisir pour moi d'avoir enregistré ce pod avec vous, d'avoir pu vous partager, faire un petit récap. So, yes, j'ai envie de dire back love. Et tu vois, je viens juste de me rappeler de comment elle s'appelle, de Aram, de Le Palop. Oh yo, il y a une page sur Instagram, ça s'appelle Le Palop. She is great, she is amazing. Shout out to you, Aram. Je l'appelle Aram, elle s'appelle Aram, mais je l'appelle Aram. She is great, she is amazing. She's a good writer. Elle écrit super bien et elle a une belle plume. So shout out to her. Parce qu'en fait, tout de suite, j'ai dit un mot, ça m'a rappelé elle et. C'est un youtubeur, il dit, à chaque fois qu'il parle, il dit, oh, yo, bro. Donc, du coup, vous savez que pendant un temps, j'ai copié ça. À chaque fois qu'il disait quelque chose, j'étais là. Et il y a ce youtubeur aussi, à chaque fois qu'il disait un truc, il était là, oh, shish. Oh my god, shish. Et moi, j'ai copié le shish là, ça fait 10 mois que je balance des shish. Je balance des shish aux gens. And this is so crazy. And yeah, people like. Merci d'écouter ce podcast en tout temps et de partager le pod, d'en parler. Et je me rends juste compte que le pod m'amène des opportunités auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a une future collaboration qui arrive avec une grosse organisation. J'avais jamais pensé que ça allait arriver. Et la vidéo notamment sur Brut et un autre truc, je crois. Tout ça, c'est arrivé grâce au pod. Grâce pas à moi, grâce à vous, people, parce que, you guys gave me the motivation to share, and you guys share with me, ce qui m'a donné le courage davantage de partager. So, continuez d'écouter le podcast en tout temps, hein? Partagez le podcast et faites venir plus de gens pour qu'on puisse être une plus grande communauté. Je pense que Spotify m'a notifié, ils m'ont dit que en 2022, j'ai touché beaucoup de monde. Ils disent qu'en 2022, j'ai touché plus de monde qu'en 2021, parce que j'ai une liste de pays que je voyais pas dans le pod avant. Et I'm so glad. J'ai juste envie de vous remercier. Avant, je connaissais mon audience. C'était Sénégal, France, Canada. Là, dans mon audience, je vois tout plein de pays. Mon audience de base, c'était Sénégal, France, Canada. Là, mon audience de base, je vois Sénégal, France, Canada, éventuellement, naturellement, États-Unis, l'Allemagne. Je vois également Portugal.
Et c'est des pourcentages très élevés à chaque fois. Bon, le Sénégal et la France, ils ont les meilleurs pourcentages. Après, c'est des pourcentages très élevés et je suis hyper content. Et je me rends compte que l'audience du pod a grimpé cette année alors que j'ai fait moins d'épisodes que les années précédentes. J'ai juste envie de vous remercier. Je vous remercie et je dois vous remercier. Ça me fait très plaisir. Merci du fond du cœur et merci de partager le pod. Merci d'en parler surtout et merci d'être là pour moi. Oui, là, j'ai Maroc aussi. Je viens de checker le truc. J'ai Maroc. On a premier Sénégal, deuxième France, trois États-Unis, quatre Maroc et cinq Portugal. Le Canada perd sa place au profit du Maroc, c'est incroyable. Moi, je savais pas. And this is crazy. Thank you people for being in the pod et on se voit pour le prochain épisode. Right, je dirai pas quand, mais dans 2 semaines. Ouais. Buckle up people, because you and I in this pod, we are going to kill it. Bye.